Lola est attendue à l'accueil par ses deux papas. Hé, hey, regarde ce que j'ai trouvé. Transformation. Ben alors, t'as des plans pour la Saint-Valentin? Je sais pas trop, mais... Enfin, oui, je crois, oui. Il y a quelqu'un. On peut en savoir plus? Elle est dans mon club de sport. Enfin, il est dans mon club de sport. Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Bon, fais voir plutôt ce que t'as déniché. C'est pas mal. Alors, prête à courir? Évidemment, aujourd'hui c'est entraînement au sprint, j'adore. De toute façon, tu sais très bien que je te surpasse aux 100 mètres, donc bon... Enfin, pas trop vite, Max, tu sais bien qu'il ne faut pas me sous-estimer. Ouais, ouais, on verra ça plus tard. Salut. 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 Bon bah, salut, à plus tard. Bah dis donc, t'as été long, c'est elle qui t'a ralenti? N'importe quoi! Pourquoi tu dis ça? J'ai toujours dit que tu mentais très mal. Allez, plus de 10 ans qu'on se connaît, tu peux rien me cacher. C'est bon, lâche-moi avec ça, s'il te plaît. Allez, elle s'appelle comment? Arrête de faire ton mystérieux, je risque pas de te la piquer. Émilie, s'appelle Émilie. Voilà, c'est bon, t'es content? Bah voilà, c'était si compliqué. Bah, j'essayais de te le dire, mais bon, j'avais un peu peur de ta réaction, quoi. Tu crois que j'avais pas remarqué? Tu fais l'haltérophilie, et dès qu'on croit cette fille, tu te mets à rougir. T'as les mains moites, ton cœur palpite, on me la fait pas à moi, ton Valentin, c'est une Valentine. T'as les mains moites, ton cœur palpite, on me la fait pas à moi, ton Valentin, c'est une Valentine. Stop, c'est bon, viens. Voilà, maintenant tu sais, c'est en mon Valentin, voilà. Mais c'est génial! Bah alors les gars, on va faire sa petite séance d'hétérophilie? Dehors pour que tu te précipites comme ça dans les vestiaires? Bah, il y avait Monsieur Martin et vu comme il est poilu, on aurait pu le confondre avec un autre. Ouais, hier soir j'ai fini un livre, ça s'appelle Roméo et Jules, et la version originale s'appelle Roméo et Juliette. Ça raconte en fait l'histoire d'un amour interdit entre un homme et une femme. Mais comment tu es au courant de ça? Avec internet, on apprend plein de choses. Et justement, je l'ai dans mon sac et ça me ferait vraiment plaisir que tu le lises. Merci, c'est avec plaisir que je le dirai. Aujourd'hui, nouveau cas d'agression hétérophobe dans la capitale. L'agression d'un homme et d'une femme s'est produite dans le 9e arrondissement après une série d'attaques contre des couples hétérosexuels dénoncés sur les réseaux sociaux. C'est bien fait pour eux. T'as raison, maman. En plus, aujourd'hui au lycée, il y a deux élèves, un garçon et une fille qui se tenaient par la main. Le proviseur, il les a exclus une semaine. Oh, et tant ça, j'en peux plus, leur cinéma. Manquerait plus qu'on passe pour des tortionnaires. Allez, c'est prêt, à table. Dis donc, t'as mis les petits plats dans les gros ce soir? Oui, j'ai quelque chose à vous annoncer. Aujourd'hui, j'ai eu une augmentation. Félicitations! Super! Bravo, maman. Et vous, les enfants, votre journée? Rien de spécial. Moi, je suis allé à l'entraînement. Il y avait un nouveau. Il s'appelait Axel. C'est pas naturel. C'est bien fait pour eux. Ça me dégoûte, ça devrait être interdit. C'est quoi cette foulée d'hétéros là? Vous ne rentrez dans aucune case, il faut rentrer dans les cases.
Joyeux Saint-Valentin, mon chéri. Oh, merci, mon amour. Tu as vu? Ils ont légalisé le mariage hétérosexuel en Suède. Ah, enfin! J'espère qu'ils feront pareil ici. Bonjour. Salut, Maxou. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir? Justement, je sors à 21h avec une fille. Ok, super. Cool, passe une bonne soirée. Merci, papa. Ça doit être Elio. Je vous laisse. Bonne journée. À toi. Oula, t'as pas l'air bien, Max. Ça va? Non, ça va, t'inquiète pas. Bon, si tu le dis, alors. Rendez-vous ce soir, à 21h, à côté de la salle de sport, au parc. Ok, d'accord, j'y serai. Aujourd'hui, j'ai vu un couple hétérosexuel s'embrasser dans la rue. Quelle horreur. Je n'en reviens pas qu'ils osent se montrer comme ça devant tout le monde dans la rue. Au contraire, moi je trouve ça courageux. Peu importe leur sexualité, ils s'aiment et ça c'est beau. Tu ne sais pas ce que tu dis, ma chérie. Si. D'ailleurs, je vous annonce que j'ai des sentiments pour un garçon, voilà. C'est impossible. Tu te trompes sûrement. Tu es encore trop jeune pour savoir. Comment est-ce que tu peux dire ça, Émilie? T'as pas honte? Tu nous déshonores. Je peux pas. Tiens, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Merci beaucoup.